Merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Le titre de ma conférence est dérivé d'un article que j'ai contribué à une collection publiée dans une série de livres qui était inspirée par les films de Quentin Tarantino. L'époque hellénistique désigne les siècles très agités qui suivaient le mort soudain d'Alexandre le Grand, quand ses généraux ont partagé son empire, qui était très vaste, qui s'étendait de la Macédoine jusqu'au bout de l'Inde. La mort d'Alexandre était si inattendue qu'il y avait beaucoup d'accusations d'empoisonnement, et j'aime beaucoup les illustrations du 19e siècle. Il y a Alexandre là, qui a l'air très malade, et tous ces généraux qui le regardent dans cette illustration. Et Alexandre n'avait pas encore s'occuper de la question de la succession. En plus, il y avait tous ces généraux puissants et ambitieux qui commençaient à lutter entre eux dès que Alexandre est mort. Les conflits entre eux se marquent souvent par la violence excessive qui prend l'air d'un dessin animé, c'est ça, cartoon. et pour cette raison que l'équivalence avec les films de Quentin Tarantino est si apte. Je commence avec la question, pourquoi l'Athènes? La perte de l'autonomie après leur soumission à Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, avait rendu amère la plupart des cités grecques. En plus, leur participation dans l'expédition d'Alexandre contre les Perses était forcée, même si le prétexte de cette expédition était la vengeance pour l'expédition perse contre la Grèce au début de la 5e siècle, dans lequel les Athéniens ont souffert beaucoup plus que les autres Grecs, comme ils le disaient souvent. La population d'Athènes était évacuée et les Perses ont mis à sac la cité, presque abandonnée, non seulement une fois, mais deux. Néanmoins, la perte de l'autonomie était même plus amère pour une cité où l'identité nationale était tellement liée aux participations à l'administration civique. Comme Périclès prononce dans son Horizon funèbre, selon Thucydides, les mêmes hommes, les mêmes hommes peuvent s'adonner à leurs affaires particulières et à celles de l'État. Les simples artisans peuvent entendre suffisamment les questions de politique. Seuls nous considérons l'homme qui n'y participe pas comme inutile et non comme une oisive. Après la mort inattendue d'Alexandre, les Athéniens, comme les autres cités grecques, sont devenus les pions sans défense dans les conflits des Diadoques. Ils pouvaient lutter seulement dans le champ littéraire, où les sources antiques grecques déforment les efforts des Diadoques à être considérés comme les souverains légitimes en possession de l'autorité divine et transforment leur exposition de richesse et de pouvoir en les stéréotypes souvent donnés aux tyrans. Bien que ce processus se produisait partout dans les royaumes hellénistiques, il est particulièrement intéressant de l'examiner en le cas d'Athènes. La cité jouait un rôle important stratégique en route à la Macédoine, qui restait au centre de l'empire d'Alexandre même après sa mort. Aussi, Athènes jouait un rôle important idéologique comme le lieu de naissance de la démocratie et le centre culturel de la Grèce.
Donc, Athènes représente un exemple très frappant qui illustre comment pour les cités grecques, la lutte pour l'autonomie reste à la base des relations avec les diadoques pendant l'époque hellénistique. Quand la nouvelle de la mort d'Alexandre a atteint la cité, les Athéniens ont mené une révolte contre Antipater, le régent de Macédoine. Ce conflit est connu comme la guerre lamiaque, prenant le nom de la forteresse où les Grecs s'assiégeaient Antipater et les forces macédoniennes. Et j'ai trouvé une carte postale au début du XXe siècle qui démontre la forteresse. Vous voyez comment la défense naturelle, c'est comme l'acropolis d'Athènes. Les Grecs ont battu l'Antipater et l'ont fermé dans la forteresse, mais la siège durait tellement longtemps qu'Antipater a pu recevoir les renforcements d'Asie et puis gagner une victoire décisive. Les Athéniens n'avaient pas de choix que de négocier un traité de capitulation. Parmi les termes de la paix était une garnison imposée sur le port de Pirée et la restriction des droits politiques aux citoyens qui possédaient un minimum de 2000 drachmes. Ce n'est pas une démocratie, en autre mot. Par les standards du monde antique, où après la conquête, tous les hommes pouvaient être exécutés, les femmes et les enfants vendus comme esclaves, et la cité pouvait être complètement rasée, les termes que les Athéniens ont reçus n'étaient pas tellement durs. Néanmoins, Antipater est représenté dans les sources grecques comme un tyran. Comme on peut voir dans les mots de Plutarque, dans la vie de Phocion, tandis qu'Antipater, qui dissimulait sa puissance sous la masse d'un homme privé, sous un méchant manteau et sous les apparences d'une vie frugale, était en réalité un maître cruel et un tyran insupportable au peuple qui lui était assujetté. C'est explicite. Le caractère tyrannique d'Antipater est révélé, selon les sources grecques, par son extradition des politiciens anti-macédoniens comme Demosthenes, qui ont dénoncé les Macédoniens. Demosthenes s'enfuit à l'île de Calauri, aujourd'hui Poros, où il se réfugie dans le temple de Poséidon. Et c'est ça comme une autre illustration du 19e siècle que vous voyez. Antipater, c'est les jambes de Poséidon. Et puis l'agent d'Antipater qui est venu exécuter Demosthène, ramené à Athènes pour l'exécution. Quand les agents d'Antipater l'ont trouvé, Demosthène a demandé un stylo, prétendant écrire une lettre à sa famille. Mais au lieu d'écrire la lettre, il a sucé le poison qui était caché dans son calame. Et puis, avant de mourir, il a dénoncé l'agent d'Antipater avec la parole suivante. Si tu peux maintenant, lui dit-il, te hâter de jouer le crayon de la tragédie et faire jeter ce corps sans sépulture. Pour moi, ô cher Poséidon, je sors encore vivant de ton temple, tandis qu'Antipater et les Macédoniens n'ont pas même respecté la pureté de ton temple. Ces mots, pleins de courage, sont un topos dans la littérature grecque dans lequel le héros se distingue par son courage au moment de la mort certaine.
illustré par les mots courageux, comme ça, ou par un geste courageux. En plus, il n'est pas par hasard que Demosthène se réfère à l'agent d'Antipater, Archias, qui est lui-même un acteur. Il réfère à l'agent d'Antipater par le nom de Créon, une allusion à l'Antigone de Sophocle, où Créon est dépeint comme un tyran stéréotypé. Naturellement, Demosthène, qui a résisté les Macédoniens pendant toute sa carrière, est dépeint par les sources grecques comme un héros. Alors qu'Antipater et les agents macédoniens comme les tyrans. La même dichotomie existe parmi les politiciens athéniens qui ont collaboré avec les macédoniens. Regardez par exemple le cas de Démade et de Phocion, selon les sources grecques. C'est Démade qui a gagné les conditions de la paix assez favorables entre la Macédoine et Athènes après la victoire de Philippe à la bataille de Chéronée. Il a agi avec Phocion d'épargner Athènes après la révolte de Thèbes, dans laquelle Athènes était compromise quand Alexandre a détruit la cité de Thèbes. Pas Athènes. Tous les deux, Phocion et Démade, étaient responsables pour les réformes constitutionnelles qui éliminaient la démocratie athénienne après la guerre lamaïque. Néanmoins, les deux politiciens sont traités très différemment par les sources grecques. Bien que Démade ait dépeint dans la tradition littéraire comme un traître qui a vendu les Athéniens, Phocion, pour sa part, est dépeint comme un patriote incorruptible qui a fait les concessions aux Macédoines seulement pour épargner les Athéniens. Les narrations contrastées sur Démade et Phocion sont particulièrement évidentes dans les récits contrastés de leur mort violente. La mort de Phocion, La mort de Phocion est arrivée quand une lettre qu'il a écrite était interceptée au moment qu'il est arrivé en Macédoine, a demandé que le garrison sur le port du Pirée soit enlevé. Dans cette lettre, il a appelé Antipater une fille vieux et pourrie. Antipater était sur son lit de mort et de pire se révélait auparavant intolérant des insultes grecques. Cassandre, le fils d'Antipater, immédiatement a raté Demade. Puis, dans une scène qui se rappelle des films de Quentin Tarantino, Cassandre donne l'ordre pour l'exécution du fils de Demade juste en face de lui, en si proche, comme Plutarque dit, que les plis de sa tunique sont devenus remplis du sang du jeune homme. Et puis Demade est tué aussi. Comme ça, Plutarque très effectivement emploie la violence si excessive que la scène prend presque l'air d'une bande dessinée qui sert à éloigner le lecteur des détails horrifiques et à impliquer que Demade mérite son destin parce qu'il a collaboré avec les Macédoniens. Par contre, Phocion reçoit une mort assez belle. Selon Plutarque, Phocion est représenté comme la victime de Polyperchon, un général âgé qui est devenu régent de Macédoine après la mort d'Antipater. Polyperchon a essayé de gagner l'influence à Athènes par la proclamation de la liberté des cités grecques. Mais bientôt, il se révélait incapable
de déloger la garrison de Cassandre de la Pyrée. C'est Polyperchon qui a trahi Phocion, le chef de la faction oligarchique, à la démocratie restaurée, avide de vengeance. Pendant une scène vivide et théâtricale, Plutarque décrit le procès simulé de Phocion par la foule athénienne, qui inclut les esclaves, les étrangers, les femmes, éléments de la population athénienne qui normalement ne pouvaient pas exercer les droits démocratiques. L'ambiance de carnaval se met en contraste du comportement composé de Phocion en face de sa mort. Et ces mots courageux, qui font partie du topos de l'héros dans la littérature grecque, il y a aussi un élément de farce au fin de l'épisode, quand il restait à l'exécuteur une dose insuffisante de la cigue. Et c'est de la passage là, quand tous les autres condamnés eurent bu la cigue, il n'en restait plus pour Phocion. Et l'exécuteur dit qu'il n'en voulait pas point broyer d'autres, à moins qu'on ne lui donnait 12 drachmes, prix de chaque dose. Comme cette difficulté prenait du temps à cause du retard, Phocion appela un de ses amis en disant, « Puisqu'on ne peut pas mourir gratis à Athènes, je te prie de donner à cet homme l'argent qu'il demande. Donc il fallait payer par son dose de cigue lui-même. » Vous voyez cette scène dans la peinture de Charles Broca. S'il y a Phocion qui est composé, il y a tous ses amis qui tombent d'émotion. Et puis il y a l'exécuteur qui n'a pas assez de cigue à la côté. le drame élevé et les éléments de farce illuminent par contraste le comportement composé de Phocion. En plus, l'incident rappelle les traditions de la mort de Socrate, son courage en contraste à la réaction très émotionnelle de ses amis. Et vous voyez une autre illustration de mort de Phocion, la même chose, il est composé, tous les amis sont... tombe avec l'émotion et la très fameuse peinture de David à droite. Il y a Socrate qui est en train de boire la cigue et il parle encore mais tous ses amis pleurent. Après la mort de Phocion, les Athéniens n'avaient aucun choix que de négocier avec Cassandre. Ils ont choisi comme leur porte-parole Démétrios de Phalère, philosophe péripatétien et ancien élève d'Aristote, dont la sympathie macédonienne est très bien connue. Les Athéniens perdent encore leur indépendance politique quand Démétrios est nommé gouverneur d'Athènes par Cassandre. Démétrios transforme l'Athènes d'une démocratie à une oligarchie modérée. Le plus notoire de ces réformes était son législation somptuaire qui visait à limiter les expositions publiques d'extravagance. Malgré ses efforts à rendre une mesure de paix et de stabilité à Athènes, Le gouvernement de Démétrios a ensuite été rappelé comme une tyrannie. Le neveu Démochare, le neveu de Démosthène, qui était également un orateur agitant contre les Macédoniens, a lancé une tirade vicieuse contre Démétrios, mentionnant comme symbole de son arrogance la procession somptueuse en son honneur, tenu dans la fête de Dionysus. Est-ce que vous pouvez venir trouver le site? J'ai une petite vidéo, j'espère que ça marche.
Ah oui, c'est ça. Merci. OK. Je vais continuer à parler. Ça, non, ça marche. Ça va. Yeah, oui. Non, ça va. Non. Cette procession avait à la tête un escargot mécanique géant et un corps des ânes, donkeys. L'escargot mécanique géant, même si ça semble bizarre, probablement existait. La fascination pour la science et la technologie est très caractéristique de l'époque hellénistique. Comme vous voyez, Albert Rehm a proposé l'explication suivante comme il marchait. Il y avait un esclave qui a monté le treadmill et puis un autre qui conduisait. La référence au géant escargot naturellement illumine l'extravagance et le hubris de Démétrius, ainsi que l'escargot et les ânes ne sont pas les animaux les plus élevés. Là? No. On the right. OK. Merci. Oui, OK. Merci. OK. So, l'escargot et les ânes ne sont pas les animaux très élevés. It's still going. How do I get rid of it? It's making noises. OK. Certes, dénigrer la solennité de la procession religieuse en insérant un élément de farce. Finalement, la nature somptueuse de la procession implique que Démétrius n'appliquait pas son législation somptuaire à sa propre vie. L'hypocrisie de Démétrius est soulignée par son contemporain, l'historien Durus de Samos. Durus dit explicitement, Démétrius ayant édicté des lois sévères régalement la morale politique et pourtant lui-même passa sa vie à ignorer superbement la loi. Il est hypocrite. Durus accuse Démétrius de dépenser la plupart des revenus de l'État aux soirées extravagantes, surpassant même les Macédoniennes, les Chypriotes et les Phéniciennes dans les dépenses somptuaires. Comme Durus le dit, il fit inonder des parfums les plus rares, les planchers de ses salles de banquet, déjà parsemés de fleurs artificielles, merveilleusement ouvragées. Selon Durus, Démétrius a arrangé les liaisons secrètes. Pardon. I think we haven't got rid of the snail yet. There, merci. Okay. Selon Durus, Démétrius a arrangé les liaisons secrètes avec les femmes et les jeunes hommes. En plus, il prenait un soin scrupuleux à son apparence, se teignant les cheveux blondes, se fardant le visage et usant des ongles les plus délicats. Une idée qui traverse toutes ces condamnations est l'assimilation manifeste de Démétrius aux Macédoniennes, qui souligne son collaboration avec les suzerains étrangers. Observez aussi que Durus dépeint Démétrius comme un tyran stéréotypé dont le pouvoir absolu se reflète dans son extravagance, décadence et manque de maîtrise de soi, surtout dans le domaine sexuel. Mais la description de l'apparence de Démétrius avec les cheveux blancs teints et l'utilisation de maquillage et de parfum suggère
qu'il a délibérément modelé son image sur Alexandre le Grand. So vous voyez ici Alexandre le Grand, qui lui-même a remodelé l'image royale après les figures jeunes, androgynes et sans barbe d'Apollon, Dionysos et Apollon. Les rois macédoniens avant Alexandre, comme par exemple Philippe II, son père, sont représentés mûrs et avec les barbes. So vous voyez le contraste. En plus, Alexandre est attesté d'avoir dépeint son expédition comme une rivalité avec le dieu Dionysos, qui, selon la tradition, avait conquis l'Est. Il n'est pas une coïncidence que Dionysos lui-même incarne la luxe, la magnificence et l'indulgence. Et vous voyez comme une statue dans le Louvre du IIe siècle, et aussi androgyne, comme vous voyez. En effet, ce sont les traits cultivés par les Diadoques comme expression de leur pouvoir absolu. Il n'est pas surprenant, donc, que Démétrius a célébré la fête de Dionysos avec une splendeur particulière, avec l'escargot géant, l'année de son archontat, même si les sources grecques se moquent de lui par sa folie et son extravagance. Dans les années 307, Démétrios de Phalère a été expulsé d'Athènes quand Démétrios Polyeur VII a entré dans la ville. Conformément à la politique d'Antigone le Borgne, son père, Démétrios Polyeur VII proclamait la libération des Grecs, rétablit la démocratie athénienne et a enlevé la garnison macédonienne de la Pyrée. Les Athéniens réagissaient avec enthousiasme et donnaient les honneurs sans précédent aux nouveaux bénéfacteurs. Les statues de Démétrios et Antigone étaient placées dans le marché d'Athènes, à côté de celles des soi-disant tyrannicides, les symboles pour les démocraties athéniennes, de la libération de Tyrie et la fondation de démocratie. Ce sont les Harmodius et Aristogaiton qui, selon le urban myth de l'Athénienne démocratie, ont libéré la cité de la dernière tyran. Deux nouvelles tribus sont créées pour honorer Démétrios et Antigone, les deux jouissant d'un culte héroïque de la part des Athéniens, et les images des protecteurs d'Athènes étaient tissées dans la robe sacrée présentée à Athéna dans la fête des Panathénées. C'est les sculptures de Parthénon, c'est ça, la robe qui est présentée à Athéna, et les images de Démétrios et Antigone sont tissées dessus. Même si Démétrios Polyeur VII a protégé les Athéniens de Cassandre, leur enthousiasme s'est bientôt aigri pour leur soi-disant libérateur. Dès que Démétrios a été retiré de la scène politique, les Athéniens immédiatement commençaient à le dépeindre comme un tyran stéréotype, typé avec les top-boys de luxe, extravagance et intempérance. Selon Plutarque, Démétrios a été coupable d'impiété en appelant Athéna son sœur aînée et en transformant le Parthénon en maison de prostitution, et où il avait des rendez-vous avec les femmes et les jeunes hommes. Selon une source, il a essayé de violer un jeune homme qui était très beau, qui, pour échapper, s'enfuit dans une peau d'eau bouillante et meurt. Démétrios a extorqué des grosses sommes d'argent des Athéniens et les donné à ses maîtresses
pour acheter le savon et les maquillages. Quand même, le hymne ithyphallique que les Athéniens ont commandé en son honneur, circa l'année 290, donne quelques indications sur la manière dont Démétrius souhaitait être dépeindre. Le maître ithyphallique, ça veut dire qu'il présente un pénis en érection, est généralement réservé pour les processions dionysiaques, dans lesquelles le phallus est porté cérémonieusement comme un symbole de la fertilité, comme vous voyez ici. Dans l'hymne ithyphallique, les Athéniens l'ont salué comme une divinité imminente et en plus comme le fils d'Aphrodite et de Poséidon. Il y a l'implication que Démétrius est le seul vrai dieu, car l'hymne le dit, car les autres dieux... que les autres dieux présents parmi nous, non comme le dieu de pierre ni de bois, mais comme une véritable divinité. Les autres dieux sont éloignés de nous, ou n'entendent rien, ou ne sont pas, ou ne font aucune attention à nous. Par contre, Démétrius le fait. Le hymne aussi souligne sa beauté et son affabilité dans les termes exagérés. La représentation de Démétrius dans l'hymne ithyphallique convient avec la description par Durus de Samos du flamboyance et du théâtricalité de Démétrius, des vêtements de Démétrius. Il commence avec une comparaison de Pausanias, Denis tyran de Sicile, et puis Alexandre lui-même, mais il faut bien convenir que ce fut Démétrius qui les surpassait tous, ses chaussons avec des souliers fort couture, etc. Selon Durus, Démétrius portait des bottines de feutre et de pourpre précieuse, tissées avec un soin extrême, avec des motifs en fil d'or. Aussi, il portait des manteaux étincelés de mille feux et représentant des astres dorés et les 12 signes du zodiac, et une tiare parsemée de paillettes d'or, avec une version pourpre élaborée du chapeau de feutre traditionnellement macédonienne. Durus ajoute, quand les fêtes de Démétrius furent célébrées à Athènes, il fut représenté sur l'une des fresques du proscenium en train de chevaucher le monde habité. La couleur pourpre, normalement, est un symbole de luxe dans les sources antiques, car le colorant pourpre du mollusque, le murex, était le seul colorant de couleur stable dans l'Antiquité, et pour cette raison était à la fois chère et exclusive. L'adoption des vêtements perses, symbole pour les Grecs du luxe et barbarisme, était considéré comme le signe extérieur de la tyrannie et de la dissipation. La tiara d'or, mitra, est un vêtement typiquement perse, ainsi qu'un vêtement de feste de Dionysos, comme le dit Diodore de Sicile. Diodore remarque aussi sur la luxe et l'effémination des vêtements de feste de Démétrius. Il faut rappeler que le travestissement était aussi un élément important du rituel dionysiaque. Pensez par exemple à la célèbre scène du cross-dressing du roi Penté dans les Bacchantes d'Euripide. Comme vous l'avez vu un peu plus tôt, Durus, comme la plupart des sources grecques, considère
ces aspects dionysiaques de luxe et de hédonisme avec le pouvoir royal qu'ils étaient destinés à symboliser comme les marques de tyrannie. Ça se voit dans ce passage par l'association délibérée des vêtements dionysiaques luxueux de Démétrius à son hubris dans son rôle autoproclamé de dirigeant du monde et son acceptation des honneurs divins des Athéniens. Durus n'est pas le seul à fustiger Démétrius à cet égard. Plutarque aussi critique Démétrius. Il dessine un lien entre son extravagance et sa tyrannie. Il le dépeint dans les mêmes termes et selon Plutarque, Démétrius se comporte comme un tyran. C'est les sources grecques le dépeint de cette façon, c'est-à-dire en possession de tous les attributs stéréotypés de la tyrannie. Mais ce n'était pas l'intention de Démétrius. Si nous retirons la rhétorique anti-macédonienne de nos sources, ce que la substance de ces descriptions indique, est-ce que Démétrius modelait délibérément sa propre image après celle d'Alexandre? Comme Alexandre, il s'était dépeint comme jeune, beau et sans barbe, comme vous voyez dans une monnaie et puis dans un buste. Et adoptant un mélange des vêtements perses et macédoniens, exagérant son association avec Dionysos et soulignant sa propre domination mondiale. En fait, Démétrius semble avoir été en train de construire une nouvelle image royale destinée à élever sa famille, les Antigonides, au-delà des autres diadoques. Le lien avec Poseidon se retrouve aussi sur la monnaie de Démétrius. Vous voyez une monnaie ici avec l'effigie de Démétrius par les orcettes à l'envers, une note jeune sans barbe avec le diadème. Et puis, note aussi le corne du taureau. Et puis, au revers, Poseidon qui apporte son trident. Et le taureau est un symbole de Poseidon. Notez que la corne de taureau ici. Certainement, le lien de Démétrius avec Poseidon évoque ses victoires navales et son contrôle de la mer. En plus, tous les diadoques ont utilisé l'image d'Alexandre pour légitimiser leur pouvoir, comme on peut voir dans la monnaie de Lysimaque, avec l'image d'Alexandre divinisé, avec la corne de Zeus Ammon. Ici, notez la corne. Une corne de Zeus Ammon, c'est une corne de bélier. Qui l'oracle à Siwa a prononcé être son père. Mais Démétrius est allé plus loin que les autres diadoques. Ce n'est pas seulement l'image d'Alexandre, mais ajoutant les cornes à son image, l'image de Démétrius lui-même. Ce qui implique que le lien entre Démétrius et Poseidon est le même que le lien entre Alexandre et de Zeus Ammon. Donc, Démétrius est le premier des diadoques à assimiler des éléments du portrait divinisé d'Alexandre sur sa propre monnaie et le premier souverain vivant à se présenter avec des attributs divins. De même, en prétendant qu'il était le fils d'Aphrodite dans l'hymne ithyphalique, comme nous avons vu, Démétrius se procure une pedigree divin.
Le lien avec Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour sexuel, souligne la très belle apparence de Demetrius, comme on peut voir dans cette tête monumentale en bronze, récemment identifiée, qui est maintenant dans le musée de Prado à Madrid. Le lien avec Aphrodite aussi souligne ses prouesses sexuelles célébrées. Des considérations similaires peuvent être en jeu dans la polygamie délibérée de Demetrius, car il a marié 5 femmes. Bien que la polygamie de Demetrius ait été condamnée par les sources grecques comme évidence de sa débauche et de sa promiscuité, encore les attributs stéréotypés du tyran, elle a confirmé sa puissance sexuelle et aussi a continué la coutume de la famille royale macédonienne qui était célèbre polygame. Philippe II, le père d'Alexandre, a marié 7 femmes. Aussi, les liaisons très publiques de Demetrius avec ses maîtresses prouvent pour les Grecs de sa dépravation, représentait pour lui un aspect important de la création de son image royale. La tradition trouvée dans Plutarque que Demetrius a organisé des orgies à l'intérieur de Parthénon probablement se produit d'une perversion des sources d'un rituel du mariage sacré, hieros gamos en grec, avec Aphrodite incarnée par sa maîtresse Lamia. En forgeant ces nouvelles associations avec Poséidon et Aphrodite, Demetrius renforce la légitimité de son pouvoir en le dotant d'une autorité divine. La tradition hostile à Demetrius Polyarcète est l'exemple le plus détaillé et le plus flagrant de la fausse représentation par les sources grecques des efforts des Diadoques à créer une nouvelle idéologie royale. Leur démonstration de richesse et du pouvoir se transforme en topoi stéréotypé de la tyrannie. Leurs efforts pour légitimer leur régime avec l'autorité divine sont décrites comme impiété. La nouvelle image royale inspirée d'Alexandre se moque d'être efféminée et flamboyante. Ce processus est particulièrement aigu à Athènes, où le conflit de la culture démocratique athénienne avec la monarchie macédonienne a créé une tradition historiographique qui soulignait la folie et la violence des Diadoques et leurs collaborateurs. Les Diadoques, comme Demetrius Polyarcète, qui ont prêté la parole au rétablissement de la démocratie athénienne, ont réussi à les persuader d'accepter leur contrôle à court terme. Mais quand il devenait évident qu'une telle liberté n'était qu'illusoire, il a reçu un traitement également hostile de la part des sources. Alors que les Athéniens ont peut-être gagné la bataille dans le champ propagande, ils ont perdu la guerre. Finalement, les Diadoques ont créé une idéologie royale hellénistique très durable, alors qu'Athènes restait sous la domination macédonienne, jamais gagné une autonomie politique complète et a été éclipsé dans la sphère culturelle par la cité hellénistique d'Alexandre à Alexandria. Merci.